Non, je suis neutre, moi ça c'est pour les présidents du club, après je pense qu'il y a un peu plus de pression. Moi j'y suis plus en Coupe de France, donc pour moi c'est tranquille et j'espère qu'il y a deux chocs de l'UN2 et maintenant le reste, vous savez, c'est le tirage. Absolument rien du tout, c'est un tirage qui a été fait tout naturellement et il n'y avait aucune eau chaude, aucune eau froide. Lundi ou vendredi, ça n'a rien à voir avec le foot, mais bon, je suis dans la piscine. Lui, c'est un ami qui a ouvert cette structure-là, donc il a besoin de quelqu'un dans sa démarche commerciale. Et je suis un coup de main, je continue, je persévère dedans. Et c'est une entreprise qui roule bien, donc aujourd'hui, je pense que tout le monde trouve son intérêt. L'opportunité s'est présentée, je suis allé voir, comme je suis natif de Tréguin, donc la commune où je suis actuellement, je suis allé voir le dernier match parce qu'il jouait la montée. Et comme je connais le président, l'entraîneur, je savais qu'il partait, je ne vais pas plus apprendre que le président de la club. Maintenant, on est en président de l'association, j'ai dit oui, mais bon, on est monté l'année dernière, c'est mon premier niveau, donc ça fonctionne bien. Je vais peut-être que je prenne ça passer mon diplôme aussi, ouais. Mais c'est pas grave d'actualité. Aujourd'hui je suis là, c'est pas pour ça que je vais essayer de grandir et d'aller atteindre le niveau professionnel. Maintenant ça dépend des opportunités, ça dépend de ce que je vais faire aussi. Il vous tire des panneaux éventuellement plus tard, dans quelques années, une fois que vous avez vos diplômes. Faut jamais dire jamais. Maintenant je pense que non, je suis bien dans mon club amateur. J'ai appris à découvrir la troisième mi-temps, ce qui est pas mal. Non, mais c'est un ensemble de choses qui font que... C'est un équilibre. Je pense qu'il y a le foot pro, il y a le foot amateur. Bon, j'ai ma tranquillité aussi, je suis chez moi tous les soirs, donc ça fait très important. C'est un bon gars, le foot est des très bons jeunes. Maintenant, le jeu en France est un peu plus fermé parce qu'on essaie de. C'est une bagarre tactique. Mais bon, c'est vrai que Lyon, cette année, il souffre un peu plus. Ce qui est intéressant aussi, ça veut dire que si les autres titillent Lyon, ça veut dire que peut-être le championnat il progresse. Et puis bon, c'est encore le champion de France, donc ce serait bien qu'il y ait un petit retournement.